Non, pas first, le premier c'est moi. Bonjour, donc on se retrouve pour cette deuxième session de correction. Quand j'aurai fini ma glace à la fraise. Et maintenant je me connecte un peu en avance. J'aurais dû faire ça pendant Ramadan. Allez. Alors les 5e, j'ai rentré leurs notes et j'ai rentré leurs appréciations de bulletin. Ouais, ça va, gros. On fait aller. Bonjour! Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle session de correction? On va tout donner! Mais moi, je vais donner des points en espérant que mes élèves aient donné des réponses. Et vous avez vu là? C'est pas le même signe, c'est une petite croix verte cette fois. Je change des fois une signature, des fois une croix verte, tout ça, tout ça. Bon, on est déjà 3 spectateurs. Avec une super connexion. Cube Hugo, Louis Benga et Berfin Guller 84. Le fameux bic rouge de la mort qui tue. Je sais pas pourquoi on s'est mis à corriger en rouge. Il doit y avoir une raison historique au fait qu'on corrige en rouge. Mais quand vous corrigez une autre couleur, ben ça perturbe les élèves. C'est marrant, hein. Finalement, c'est plus eux qui... Oui, mais là, il fallait vraiment que je les rentre parce que l'arrêt des notes, c'était... C'était il y a 2 jours. J'étais un peu à la bourre. Je remercie ma collègue de bien avoir voulu... prendre en compte mon incapacité à gérer les dates pour les devoirs. Bon, mais c'est vrai qu'il fallait que je les rentre là, c'était urgentissime. Ah, 5 spectateurs. Est-ce que les 5e 2 auront plus de spectateurs que les 5e 1? Qui va gagner la course à l'échalote? Est-ce qu'on met un bonus de 1 pour le live qui a eu le plus de monde? Non, parce qu'en fait on met des points que pour les réponses, c'est tout. On met pas les points pour YouTube, je suis désolé. Mais ça serait drôle à faire comme compète, peut-être l'année prochaine. Alors, on repart sur les définitions et je vois qu'on va partir léger sur les définitions puisqu'il n'y en a qu'une sur les 3. Hein, donc voilà. Mâle et femelle, on va dire sexuel, c'est très bien, mais elle ne me dit pas ce que c'est une reproduction. Donc 2 points sur les 5. Chromosome, c'est un noyau des cellules, très bien, 4 points. Le liquide qui attire les spermatozoïdes, mais elle ne me parle pas des paranuptiales, c'est 2 points. Façon directe et indirecte. Ouf, ça va, elle n'est pas tombée dans le piège de négatif ou positif, très bien. Alors 8, 10, 13, donc un petit 13 sur 20 en partie leçon. Bon, alors ça c'est hors sujet, puisque je rappelle qu'il faut lire la question et que sur la question, pour ceux qui ne l'ont pas vu tout à l'heure. Mais non, j'ai pas fait vos bulletins puisque j'ai pas encore rentré vos notes. Sur la question 7, il y a écrit qu'il faut indiquer sur le graphique B les années où la nourriture de sanglier était très abondante et que elle me le dit sur la feuille. Moi, j'ai demandé sur le graphique, donc il fallait prendre le graphique qui est ici, une légende, c'est bon, et mettre par exemple 1982, 1976 et 1975 une petite flèche avec écrit tac année où c'est très important. Accouplement, mise bas, nourriture abondante, mais c'est très bien ça. C'est très bien, sauf que c'est pas au crayon et il n'y a pas de titre. Dommage. Oui, 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 j'ai testé Apps machin. Je vérifie que je dis pas de bêtises. Faut que je fasse gaffe parce que le serveur Pronote il s'arrête à 17h30.
pour Jibril. Qui était absent aujourd'hui parce qu'il avait mal au ventre. Ouais, ça marche bien, hein. Il n'y a pas photo. Oh ouais, c'est ça. Et mais par contre, je suis pas sûr que ce soit précisé sur. Pas sûr que ce soit précisé. Bon, allez. On revient à mes copies. Ah, nous, c'est 17h30 la mise à jour, tiens. Oui, ton trimestre était pas mal, Berfin. Ton trimestre était pas mal. Tu verras ça. Donc là, il a pas fait. Parce qu'il mange les pommes. Bon, à la limite. Les producteurs de pommes, place de droit de piège suspendu. Truc. Mais l'insecticide. Deux points. Deux points. Donc, 2, 4, 6, 7. Et demi. Ouh, tout juste 20 et demi sur 4. Voilà pour la première copie. Non, nous, il y a écrit 17h30 la mise à jour. L'expérience qui parle. Oui, j'en ai mangé des absents étoiles. Oui, oui, oui. Ça fait très alcoolique anonyme. Alors, lithosphère, c'est bon, mais c'est la seule que je connais. Bah oui, forcément, c'est celle qui faisait deux pages, donc. Formulaire sexuel, on n'a pas, donc, mais il ne me dit pas ce que c'est la reproduction. Sont dans le noyau des cellules, oubliez les chromosomes. Question 4, pas faite. Question 5, pas faite, ce qui nous fait du 5 sur 20 en partie court. Ça, j'ai dit qu'il fallait le faire sur le graphique. Ouais, alors ça, c'est bien, mais c'est incomplet. Les producteurs veulent tuer les... par vendre leurs pommes, très bien. Les producteurs possèdent qui retirent les mâles. Alors que la capsule peut se reproduire. Et ça évite. Oui, mais pourquoi? Je me dis pas pourquoi il faut éviter d'utiliser l'insecticide. Et là, clac, clac. Et ben voilà une copie qui a été vite corrigée. 2, 3, 4, 5. Ce qui nous fait un 10 sur 40. Eh ben, ça commence moins bien que le cinquième. Hein. Une petite différence de niveau quand même, peut-être. Alors, fertile. Très bien. Espèce censée être très bien. Ah ben là, déjà. Pensez à cacher votre nom quand même. La reproduction est faite de produire de nouveaux individus. Par la suite, la reproduction sexuelle est quand même... Mais voilà, ça c'est 5 points, ça, voilà. Faites une capture d'écran, hein, ça, comme ça vous la prenez. Ah, j'ai dit... Oh, j'ai peur quand j'ai fait ça, j'ai dit... Ah, dommage. Alors, accouplement... Ah non, mais j'ai pas fini les cours. Sont posés par les chromosomes. Allez, 4 points. D'accord, il manque les parades nuptiales. De façon directe et indirecte. Très bien. Allez. Ça nous fait un 18 sur 20. C'est excellent. Ça, hors sujet. Et là, elle a pas mis. Il a fait le trait, mais il n'a pas fait la légende. Allez, 0,5. Tac, 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 tac. Accouplement mars et mai. Mais c'est très bien ça. 2,5 parce que pas de titre et pas de crayon. Donc je rappelle qu'un tableau se fait au crayon. Alors, l'environnement a une forte influence sur la production. Sur les deux graphiques, avec un S. Ça coupe. Vous n'aimez pas les pluriels. Hein. Très bien, bim, 4 points. Alors, récolte. Et là, il n'y a pas de... Bon, bref. Les producteurs font disparaître. Et l'insecticide, on n'en parle pas. Hein. Essayez de répondre à toute la question. Voilà, ça c'est très bien. Parce qu'au départ, elle avait mis « Elle appartient à la reproduction sexuée, point. » Mais ça, c'est pas bon. Puisque dans la question, il y a écrit « Expliquer en le justifiant. »
J'ai pas encore fait les 0,5 Miskina. Alors, oui, car il a parlé de graines, il résiste à la digestion. Les graines peuvent résister à des conditions de milieu défavorables. Et non. Et non. Relire le texte. Le schéma aide. Expliquer s'il y a toujours besoin d'un mâle et d'une femelle. En fait, le mot important, c'est le mot toujours. Il n'y a pas toujours besoin d'un mâle et d'une femelle. Et je ne sais pas. Bon, c'est bien de le dire. Un point, une majuscule, par contre. Alors, 5. 9. 9. 9. 10. 12. Ouh, mais ça nous fait quand même 30 sur 40. Hein. Quand même 15 sur 20, ça calme bien. Hein. Comparé aux deux que j'ai fait avant. Ah, Pikachu! Alors vous me direz pourquoi Pikachu, parce que cet élève m'a dit, regardez monsieur, j'ai écrit Pikachu pour me reconnaître. Alors attendez, je vous le montre un peu mieux quand même, parce que... Voilà. Pikachu! Pikachu de mémoire. Petit nez triangulaire, touc, touc, deux yeux, tout fou, fric. Non, je sais pas dessiner Pikachu. Hein. Alors, fertile. Adjectif, son contraire stérile, ensemble des attributs se reproduisent. Des roches, de la terre. Pas terrible celle-là. Alors, production d'un processus de déterminer une espèce par un ensemble. Oh là là. Ça, c'est j'ai appris la définition, mais j'ai rien compris. La reproduction est un processus qui se détermine par un ensemble perpétu. Ils peuvent se reproduire eux aussi. Je veux rien dire. Cellule, elle a oublié les chromosomes. Donc ça fait 2 points. Aussi, la... Quoi ? Allez, 0. Façon directe, 4 points. Alors, 6, 8 et demi. Ça, c'est étrange. Non. Je sais c'est qui. Je sais qui c'est. J'ai reconnu sa feuille. Je sais c'est qui. En tout cas, elle a fait un effort pour séparer ses questions. Mais sauter une ligne, c'est bien aussi. Hein. On n'est pas obligé de tracer des traits, quoi. Ça, c'est hors sujet, puisque je demande à répondre sur le sujet. Pas fait, pas fait. Bon, mais ça fait déjà 4 points de moins. Hein. L'environnement a une forte influence sur l'alimentation et les grands accouplements des sangliers. L'alimentation, glands, faines, champignons, mais aussi vers de terre, escargot, et sa reproduction est très choquante. Pareil, hors sujet. Il faut lire les questions avant de répondre. Rentre ENT. Pourrisseux. Un point. Alors, sur une question à un point, il se donne à fond pour faire une phrase, et puis après, non. Deux points, parce qu'elle n'a pas parlé de l'insecticide. Sa reproduction appartient à la ronce végétale. Merci, ouais. Ces murs sont faits des fruits, ça c'est hors sujet. Oh là là. L'intérêt d'avoir les deux types de reproduction, c'est car si nous n'avons pas, nous ne pouvons pas avoir notre. Non, mais qu'est-ce que c'est ? L'intérêt d'avoir ces deux types de reproduction chez un être vivant est car si nous avons, si nous les avons pas, nous ne pouvons pas avoir notre. Quelqu'un comprend la phrase ? Non, non, ils n'avaient pas un problème. Oui, ça commence par un. Une heure, oui, oui. Oui, oui, ils avaient une heure pour ce contrôle, sachant qu'ils ont eu une vidéo pour le préparer. Et que pour un certain nombre, d'ailleurs, ils l'ont préparé avec un professeur en devoir fait. Et pour un autre nombre, ils l'ont fait avec moi. Mais alors le problème, là, par exemple, voilà, ça c'est un exemple typique de souci du collège maintenant. Enfin, de maintenant, oh, ça fait vieux de dire ça. C'est un souci typique du collège. Voilà, la question est expliquer quels sont les intérêts d'avoir ces deux types de reproduction chez un être vivant. On a vu l'exemple du puceron. On a dit que se reproduire de façon asexuée, c'était rapide. Et se reproduire de façon sexuée, c'était résistant. Je pose la même question, cette fois pour la mûre. Sachant que ça, c'est la reproduction sexuée. Que dans le texte, il y a écrit que sexuée, c'est la graine. Bon, très bien. Et je dis quel est l'intérêt. Voilà la phrase que me donne l'élève.
Voilà. Voilà la phrase, alors c'est juste voir. Voilà, vous voyez la phrase. Les intérêts d'avoir ces deux types de reproduction chez un être vivant est, car si nous ne les avons pas, nous ne pouvons pas avoir notre. Et ça, c'est une élève qui a fini avant la fin. Je veux dire, elle a pas été dans l'urgence pour finir, quoi. Ça signifie qu'elle pensait que cette phrase était correcte. Pour elle, c'est comme ça qu'on écrit la réponse. Donc c'est inquiétant. Oui, c'est vendredi qu'elle fait le contrôle, mais c'est jeudi qu'elle le prépare en devoir fait. Avec Monsieur Boulanger, je suppose. Ah, c'est lundi? Bon. Alors, 2, 3, 3. 3, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, Pikachu, 11,5 sur 40. Mais pliez vos noms. Ce manie. Alors, fertile, tac-tac, espèce, ta-ta-ta-ta-ta, ensemble, ta-tac, 3 points. Ça ne me posait pas question. Voilà, 5 points. Voilà, sont sur les chromosomes, on se trouve un noyau de cellules, 4 points. Et je me rappelle plus des autres exemples. C'est l'odeur de l'ovule. Volontairement ou alors les séparer volontairement aussi, donc il manque quelque chose, il manque le involontairement. 8 11, ça reste correct, donc 8 10 11 16 pour ça. Voilà, un point. Il y a les années et il y a les légendes, très bien. Alors non, c'est la majorité. Donc là, c'était... Donc 2 points parce qu'elle a compris le tableau. Elle a un souci de lecture du graphique, mais le graphique est difficile. Oui, mais les 5e 3, ils ont effectivement contrôle le lundi. La dernière fois que tu étais modérateur, allez, je te remets. Ah oui, mais c'est normal, ça a changé de nom. Ah, Cubugo est quelqu'un qui connaît plein de choses. Peut-être quelqu'un qui est aussi au collège Gérard Philippe. Mais personne ne sait qui c'est. L'anonymat d'Internet, ça m'a toujours fait rire. Alors, surtout la température, il a plus chaud, plus chaud. On a besoin de gens pour pouvoir se reproduire. Ouah, c'est un peu incomplet comme explication. Les produits détruisent leur récolte, très bien. L'avantage. Voilà, ne pollue pas, c'est très bien. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt de la reproduction asexuée. Donc 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ce qui nous fait un bon 31 sur 40. Bien, voilà. Voilà, c'est malin. Et voilà, et maintenant, c'est malin, voilà, maintenant Berfine ne va chercher pendant 3 heures. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Bah, ça occupe, hein, on ira. Remarque, on n'est que 5, hein, ça va, on est entre nous. Oh, et après, il faut que je fasse les 6e 4. Mais 6e 4, ça peut attendre un peu. Peut-être je le ferai demain soir. Que le 6e 4, leur conseil, il n'est pas tout de suite. Et je pourrais aller jouer avec mon appareil photo. Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon. Non, là il manque quelque chose. Ensemble des roches de la Terre.
Oui, mais Berfine, par exemple, si c'est un adulte, ça marchera pas, ça. Imagine que Bugo, c'est un autre adulte. Ça marchera pas, le fait de le traquer. Ça va juste pourrir le... Pourrir le chat. Et tu vas encore te faire ban et tu vas encore bouder. Ah ben voilà ce qu'elle avait oublié. C'est les ovules qui fabriquent un liquide pour attirer les spermatozoïdes. Voilà. 10, 17 et demi. Ah, c'est pas beau. Alors, la production, c'est gâché. Alors ça... Là, ils savent copier un texte. C'est vrai. L'intérêt, c'est que c'est pratique. Et oui, heureusement qu'il avait expliqué. Alors, A et B, pourquoi A et B? Qu'est-ce que c'est A et B? Alors, nourriture abondante et nourriture rare, j'ai dit. Alors, 2, 4, 5, 9. Non, je fais plus de vidéos Brawl Stars. C'est pas que j'ai arrêté, c'est que bah, truc j'ai pas pensé. Tiens, j'en ferai peut-être une ce soir si je joue. C'est pas gentil, Cubugo. Ah non, mais je vois, il te cherche, mais bon, ceci dit, t'es facile à trouver aussi. Hein, faut dire ce qui est. Ah, on est arrivé à 9 spectateurs. Est-ce que les élèves de 5e 2 vont battre les 12 spectateurs des 5e 1? Là, il manque quelque chose. C'est marrant comme tous ils se sont donné le mot. Ah bah oui, forcément. Et ouais, c'est étonnant. C'est étonnant, surtout que Pronote va s'arrêter bientôt. Burfin, reste calme. Tiens, on voit qu'elles l'ont préparé ensemble, le devoir. J'aurais pas fait ma petite marque, j'aurais pu croire qu'elles l'avaient préparé à l'avance. Non, c'est juste qu'elles l'ont préparé ensemble. Mais du coup, elles font les mêmes erreurs, c'est ça qui est embêté. Combien j'avais mis? Voilà. 5, 9, et voilà. Oh, 26, ça va, ça fait une très bonne. Merci Leto, c'est gentil. Comme quoi, on peut passer d'un display, d'une ouverture de display Pokémon. Ça fait un moment que j'ai pas fait parce que le dernier display que j'ai gagné, je l'ai pas ouvert parce que je pense que je le revendrai un jour, mais je vais le vendre scellé. Voilà. Oui, j'ai de la chance de commencer avec les IM5, c'est des gentils élèves. Bon, j'avoue qu'en plus que, enfin, pas tous d'ailleurs, hein, il y en a certaines nœuds. Une dont j'arrive jamais à voir les parents. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent complètement en fait.
à ça pour me demander des sous parce qu'ils n'ont pas leur papier de bourse, il y a du monde, hein, mais pour s'occuper de leurs enfants qui ne travaillent pas, il n'y a plus personne. Enfin, non, alors c'est pas qu'il n'y a plus personne. On n'arrive plus à les contacter, c'est bizarre, hein. Allez, 3 points. Alors, non seulement c'est juste, mais c'est très bien écrit. C'est bourré de fautes. Eh bien, mais c'est tout juste. Pourtant, les paranuptiales, c'est quelque chose qui leur plaît. Faut pas t'énerver, Berfine. Ça vaut pas le coup. 10, 18. Oups, pardon, j'avais pas mis la feuille où il fallait. Un point, c'est pas au crayon, il n'y a pas le titre, le tableau n'est pas complet. Insecticide. Et les questions 11 à question 13, elles sont où? Et c'est que question 11 à 13, ça fait 6, ça fait 8 points quand même, hein. Mais je sais pas qui c'est Berfine, moi. Je ne peux faire que des hypothèses. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et demi, c'est pas terrible ça. Ah oui, mais remarque, 6 et demi, déjà elle a pas fait 8 points, donc effectivement. En fait, elle a 6 et demi, non pas sur 20, mais sur 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi. Alors, ça nous fait 24... et demi sur 40, ce qui fait un petit 12, c'est sympa. Toujours, Berfine, toujours. Un peu de mal à se contrôler sur les réseaux. Tant que ça y a déjà joué des tours, d'ailleurs, en plus. Ça y a déjà attiré des problèmes. Donc, il faut qu'elle apprenne à se maîtriser, c'est important. Oh, Berfine, tu parles pas comme ça. En plus, je suis désolé, t'es pas grande. Hein. C'est... Enfin, par rapport à moi, par exemple. En termes de taille, t'es moins grande que moi. Et en termes d'âge, j'en parle pas. Tant mieux pour toi, ça te laisse plus de temps. Et s'il faut que tu apprennes à te contrôler, je te l'ai déjà dit, Berfine. Ah, oh, c'est même pas ta classe. Ah, pour les amis les plus abondants, je vais faire un rond rouge. Bon. C'est la légende. Et il manque 76 aussi. Dommage, j'ai pas fait l'exercice 3 non plus.
Pourquoi mon appareil est en surchauffe? Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, c'est très bien, Berfine. Et puis, même si ça n'arrête pas, bah, tu fais comme si. Alors, 1, 2, 3 et demi. Ouh, c'est pas beaucoup ça. Allez, ça nous fait 21,5 sur 40. Allez, encore une feuille que je suis obligé de... Elle est pas mal la salle avec 15, mais là ça va être l'été, ça va être un four. Ça va être très désagréable à vivre. Pas terrible la salle. Enfin, en hiver c'est sympa, en été, il fait chaud dans cette salle. En plus, avec le protocole machin, on est obligé de laisser ouvert, toute la chaleur elle rentre. Les aime, monsieur, ouvrez, ça fait courant d'air, ça fait jamais courant d'air. Il y a mon petit symbole là. Il n'y a pas le petit symbole. Ben alors Ryan. Ben alors. Ça va pas compter cette copie Ryan. Oups, j'ai dit son nom. Alors comment ça se fait, il n'y a pas le petit symbole là. Oh, il va me dire que je l'ai oublié, dis. C'est bizarre, hein, parce que comme par hasard, la partie courte, elle est parfaite. Ah non, j'ai dit, je sais pas qui c'est. Ah, alors, voyons voir. Hop, hop, c'était bien la peine de coller des feuilles. 0,0 sur 40. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, j'ai des... Bonjour YouTube. Regardez, vous avez droit à un bonjour YouTube. Et ouais. Et peut-être même c'est un professeur, Christian Pince Berfine. Il connaît mon emploi du temps, il connaît ma salle et il a accès à Pronote pour voir les emplois du temps des professeurs. Peut-être c'est un professeur. Parce qu'un élève, il n'a pas accès à tout ça, je crois pas. Vous avez accès à mon emploi du temps en tant qu'élève? Je sais pas. Alors, fertile, ensemble des êtres vivants qui peuvent se reproduire. Ouais. Ensemble êtres vivants qui peuvent se reproduire. Non. Et là, ensemble des roches sur Terre. Voilà. Deux points. Un point, non, ce sont les chromosomes dans les noyaux. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Oh, c'est pas mal ça. Ben, je veux dire, c'est pas mal de mettre les points comme ça, j'ai pas à chercher. C'est le principal. Ouais, c'est ça. Accouplement, nourriture abondante, mise bas. Tout mélangé. Un point parce qu'elle l'a rempli. Et là, zéro. Lire la question. Il n'a pas utilisé les documents. On n'a pas parlé de l'insecticide.
Très bien. Hop. C'est pas la question. Et ça, c'est juste l'intérêt de la reproduction asexuée. C'est marrant comme ils disent que l'intérêt de la reproduction asexuée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et demi. Oh, dommage. Si près et pourtant si loin à la fois. Imagine, ça pourrait être le principal, mais tu sais pas. Ça pourrait être la CPE, ça pourrait être un surveillant, ça pourrait être un professeur, ça pourrait être un agent, ça pourrait être... Ah, Berfine qui s'inquiète d'un coup. Tu vois, il faut que tu fasses des hypothèses par rapport aux informations que tu as, c'est tout. Ah là là. Et comme c'est quelqu'un qui a déjà fait un don sur... Comme c'est quelqu'un qui a déjà fait un don sur un live, ça veut dire que c'est un adulte qui a une carte bleue. Parce que les enfants, ils peuvent pas faire de don. Déjà, c'était un indice. Alors, oh, crayon. Regardez, c'est pas très agréable au crayon. Honnêtement, à lire, c'est pas super facile à lire parce qu'il y a des reflets et tout. Essayez de le faire au stylo bleu. Bleu sombre et pas bleu clair. Le nombre de personnes qui n'ont pas répondu sur la feuille pour la question 7, c'est impressionnant. J'espère que les prochains, ça ira mieux. Berfine, tu es en train de découvrir les inconvénients de l'anonymat sur internet. Oh, on n'est que 4. En fait, c'est ça, c'est quand je fais ça, j'ai beaucoup moins de succès. C'est quoi ton logo, Berfine? On a été jusqu'à 9. C'est notre record. Qu'y a-t-il? Pas maintenant. Dans une demi-heure. Dans, oui, dans une demi-heure. Oui. J'arrive. C'est 17h, mais tu m'as dit 17h20, tu m'as dit. Alors, là, en plus, c'est... Alors, voilà. J'arrive. Enceinte de roche sur terre. Le contraire de stérile. On peut se reproduire. Bon, d'accord. Non, alors, c'est l'inverse. Qui c'est monsieur le lire. Mais non, c'est faux ça. Oh là là. Allez. Zéro. D'être de la même taille. Pour se reproduire, il faut d'être de la même taille. Il y en a quelques-uns, ils vont avoir du mal à trouver du coup. Couleur de peau. Mais n'importe quoi. Ça, c'est hors sujet.
Petit nez, c'est là, et la manger là-bas. Et là, je suppose que. Voilà. Donc 0,1 sur 20 et 6. 6. Ce qui nous fait 0,7 sur 40. Comme des copies faciles à corriger. C'est Madame le Hire. C'est pas monsieur. Bon alors, on s'est utilisé pour notes, on ne sait pas lire. Ça craint. Alors, voilà. Alors, elle avait fait un petit symbole, elle a dit, non? Non? Ah, pour qu'elle se reconnaisse si jamais elle voit sa copie. Il y a écrit Roi Lion ici. Bah, soit il arrête, soit je vais le ban, et puis comme ça, c'est réglé. Pourquoi d'un coup comme ça en modo? Alors, tac, tiens, se reproduire. Un contrat de stérile, un ensemble d'Adrien qui se reproduit très bien. Ensemble d'Adrien, très bien. Vous avez vu, des fois, il y a des élèves qui sont. Des élèves qui sont pas faciles à lire. Hein. Mais non, il veut simplement te dire, Berfine, que tu n'as pas besoin de t'énerver, etc. De toute façon, tout ce qu'il peut faire, c'est écrire des choses sur Internet. Alors, pour faciliter la reproduction, il existe plusieurs moyens. La nutrition, quoi? Non, n'importe quoi. Les paranuptiales. Alors, l'espèce humaine peut influencer, par exemple, quand on se met la main. Ah, mais non, c'est pas ça du tout. Ah, la pollution, oui. Alors, 1. 10,5. 13,5. Je pense pas, Berfi, je pense pas. Alors c'est bizarre parce que moi je pense que c'est un professeur que tu apprécies plutôt, toi. Mais bon. Alors, sur feuille. Ah, reproduction de sanglier. 0,5. Allez, pour le titre. Qui est pas terrible en plus, mais au moins il a mis un titre. Ça, c'est hors sujet. Parce qu'il y a écrit qu'il faut le faire sur le graphique. L'environnement et la quantité de nourriture. Plus de reproduction, plus de reproduction, voilà, ça c'est bien. Ah, petite coupure, mon onduleur s'est mis en route. Plus de temps de bas, alors. Eh ben Cubigo, c'est pas gentil d'énerver mes élèves, la pauvre. Après, elle est dans tous ses états. Mmh. Et l'insecticide, elle n'en parle pas. Voilà, très bien. Très bien. Et là, 0, parce qu'il n'a pas fait. Donc, alors, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 et demi. Voilà. Encore une qui n'a pas plié son nom. Ah, comme quoi, hein. C'est quelqu'un qui regarde les vidéos et qui a trouvé plein d'informations. Oula. Alors, je dois aller mettre en route un truc, je reviens. De retour. Ah. Bonjour. Bonjour aux nouveaux. Enfin, pas beaucoup puisqu'on est 5. Bonjour aux peu nouveaux, donc on continue. Oui, Maïdine, je sais où tu es. Non, je te mets pas à modo. Alors, allez, on continue les corrections. Vous voyez que lui il a son petit symbole, hein, donc je vais pouvoir y compter sa note. Ah, il faut que j'enlève ça, sinon je vois pas ce que je fais. Voilà. Voilà, comme ça je vois ce que je fais. Alors, être vivant, vivre dans la nature. Ça c'est quelqu'un qui a bien appris son cours. Une reproduction asexuée, c'est quand le mâle libère un spermatozoïde dans l'eau. Le mâle est d'une femelle, d'accord, mais asexué il a pas dit. Il a pas dit ce que c'était. Viennent des cellules des ovules, non plus. En pollution, les poissons les lâchent dans l'eau. C'est la femelle qui les récupère. Voilà, c'est un exemple. Bon, à cause du réchauffement climatique. Non, mais c'est pas ça. Rien compris. 0,1,5 sur 20. Voilà un élève qui a vraiment préparé sa partie cours. Ça, c'est hors sujet, puisque je rappelle que la question, c'est de le faire sur le graphique. Et alors, éviter les phrases qui ne veulent rien dire. C'est bien, Berfine, tu as fait des progrès, dis donc. Là, le merci enfin était de trop. Mais sinon, je trouve que tu as fait... Hey, bravo. Je trouve que tu t'es bien... Bien, mais t'as, rien que pour ça, c'était bien. Tu as appris à te maîtriser. On aurait fait ça il y a 6 mois, je crois qu'elle aurait mangé sa souris, quoi. Ça rend la pomme immangeable, très bien. Il place un pied dans les capsules, bloqué de la colle, d'accord. Et l'insecticide, non. Non, c'est pas la reproduction sexuée. Non, la femelle se reproduit toute seule, c'est vrai. Se reproduit toute seule, n'a pas besoin d'un mâle. Et alors, quel est l'intérêt? Juillet, octobre, 83... Non. Alors, 5, 6. 6. À la partie leçon. Ce qui nous fait un 7,5 sur 40. Je crois que les 5e, ils vous ont massacré, quoi, en termes de notes. Je crois que c'est une carnage. Ah ben voilà. Maintenant, l'élève, il écrit en rouge. Comment je corrige, moi? C'est malin. J'ai toujours pas cherché pourquoi on corrigeait en rouge. Oui, je sais que tu t'énerves vite, Berfine, mais je sais aussi que tu dois t'améliorer là-dessus.
Ça t'a déjà joué des tours ici, tu t'es fait ban. Ça t'a déjà joué des tours sur Snap. Hein, je vais pas revenir là-dessus. Mais quand même. Le bassin d'Arcachon. Alors, c'est ça qui se reproduisent entre eux. Non, qui se reproduisent. L'être vivant humain. Non, alors, c'est pas forcément des humains. Qui se reproduisent entre eux. Et avec d'autres. L'être vivant humain qui se reproduisent entre eux avec d'autres êtres vivants, avec les uns et les autres. Ouh, c'est chelou comme définition, ça. Ensemble de robles. Qu'est-ce que vous lisez là? Là. Ensemble de. Ensemble de robles, de rodles, de rodiles. Je ne sais pas ce que c'est ça. Ben là, c'est zéro pour les définitions. La reproduction pour se reproduire, bien évidemment. Zéro. Les anus sont 82. Non, mais sérieux, essayez d'écrire. Regardez ce qu'elle m'a écrit. Les anus sont 82. Mais comment on peut écrire des fois? Ah, les années! Les anus. Voilà, 0, 0 en partie courte en fait. Sanglier a besoin de manger, un endroit pour la reproduction. Voilà. Parce qu'ils mangent leurs pommes, d'accord. Le piège, blablabla. Je sais copier un texte, je suis un cinquième. Là donc, je sais copier, mais il n'y a pas de conclusion. Une fois il fait chaud. Germe donc c'est non 0,5 et attention oh ça alors rien du tout 1 2 3 4 5 voyons c'est roche bon alors si c'est roche je peux y compter un point allez hop ça fait 6. Vraiment parce qu'il y a un spectateur qui a trouvé que c'était roche. Alors combien il me reste de copies pour finir les 5M2? 1, 2. Il me reste 4 copies. Et je ferai les 6e 4 plus tard. Ce soir peut-être. Ça serait bien que je fasse ce soir, comme ça je serai libéré. Délivré, je ne reviendrai plus jamais. Bon. Non, en fait, le problème, c'est que là, j'ai tout ce qu'il faut pour jouer avec mon nouvel appareil photo et j'ai bien envie d'aller l'essayer. Donc, forcément, j'ai pas trop envie de corriger. C'est pas sérieux. Hein. Oui, ça va bien. Allez. Des fois, j'ai un peu le moral dans les chaussettes quand je vois ce qu'il y a écrit hein, alors que j'ai fait court. Voilà, ça c'est bon. Ensemble d'être. Ah, d'accord, ensemble de rôle. Très bien, 3 points. Allez, reproduction. Non, la reproduction sexuée, c'est pas quand ça se fait à l'extérieur. Mais voilà, une copie vite corrigée. Hein. Merci, merci. Quand t'as un petit coup de mou, une copie comme ça fait du bien. Ah, celle-là va être un peu plus longue, celle-là. Ouh, celle-là va être un peu plus longue. Celle-là, je la garde pour la fin, puis ça va aller. C'est un spectateur mou, c'est pas terrible. Je crois que le record est. Il faut absolument que je fasse un live et poser vos questions. Et est-ce que vous avez vu mon site internet? Si, je suis un peu fatigué là. Je commence à en avoir ras-le-bol. Ça fait partie du travail, mais c'est honnêtement, c'est pas la partie la plus
Ouais, je vous ai envoyé mon nouveau site internet. Je vais monter une entreprise pour donner des cours. En fait, c'est le rectorat qui m'a demandé de monter une entreprise pour donner des cours. Tiens, je vais faire une vidéo là-dessus bientôt. Ah, peut-être que je la sors ce soir. Attends, je la sors à 18h. Allez, j'ai eu Clavignat à faire. Normalement, un modérateur n'est pas quelqu'un qui énerve le public. C'est quelqu'un qui est là justement pour que les choses se passent au mieux. Un modérateur doit être quelqu'un d'exemplaire, qui permet à chacun de profiter du chat sans que ça parte en quenouille. Et pas quelqu'un qui énerve, quelqu'un qui sent qu'il s'énerve vite, c'est pas gentil. Donc tant que quelqu'un est dans son rôle de... Ah tiens, tant que quelqu'un est dans son rôle de modérateur, c'est volontiers. Mais là, si c'est pour énerver les autres, c'est pas ce que fait un modérateur. Si, si, ça marche. Oui, vous, vous rigolez, mais pas elle. Donc c'est pour ça que c'est des... Voilà, c'est ça. Mais le point très positif, et je peux le dire pour les 7 personnes qui sont là, c'est que Perfine a quand même fait de gros progrès sur elle-même. Ça serait passé il y a 3 mois, elle aurait sorti des insultes, tout ça, alors que là, elle a parlé très poliment et gentiment. Il y en a d'autres qui peuvent essayer, voir si le site fonctionne ou pas? Ben non, moi ça marche. Ce serait dommage que je fasse un site et que ça marche pas. Bon, allez, on a tous appris quelque chose. Après tout, c'est le but des enseignants. Hein. Oh, c'est pas. Hé, Berfine. Cool, c'est pas grave. Tu auras d'autres difficultés dans la vie, t'inquiète pas. Si tu t'accroches à ça. Regarde, regarde le côté positif. Tu as su rester calme et tu as su pas trop t'énerver. C'est très bien. Moi, je suis très fier de ton comportement. Qui a un sexe et qui a pas. Non, c'est mal dit ça. Allez. On se trouve dans l'intestin. Oh, elle est pas trop bonne celle-là. La reproduction. Oh, non, c'est là. Les informations. Ah, celle-là, il faut que je fasse une capture d'écran, quelque chose. Les informations héréditaires se trouvent dans l'intestin de la femelle qui a de cellules. Ah bon, ça marche pas? Ben mince alors. Mais pourquoi moi il s'ouvre alors? Je vais essayer avec un onglet privé. Ah, c'est peut-être à cause des tirets. Ben non, moi ça marche. Alors ça, c'est un mystère. Pourquoi il marche pas? C'est bizarre ça. Alors, j'aurais appris un truc. La correction.
Ah, c'est gentil, ça marche pour certains. Bon, mais si ça marche pour certains. Ah bon, ça va, parfait. J'avais peur d'avoir travaillé pour rien. Les informations héréditaires se trouvent dans l'intestin. Bon, alors c'est pas dans l'intestin des femelles. Hein. Oh, celle-là, il faudrait que je fasse une capture d'écran pour le faire, pour en faire un post. La reproduction facile. Le mâle et d'une femelle qui s'accouple pour se reproduire. Non, alors c'est pas ça la question. Production terrestre. N'importe quoi. Le début, c'était à peu près, mais alors la fin, alors 7. Dans les intestins énormes. Alors ça, c'est hors sujet puisqu'elle n'a pas répondu sur le graphique, je parie. Septembre, novembre, octobre, truc, j'ai pas compris. Ouais, ça se voit. Ah, elle a mis un tabou du sanglier, elle a mis un titre. La nourriture grâce à la température pour fabriquer les viandes pour avoir des effets de nourrir les bébés, la nourriture, l'environnement, quand même. Or chaud, c'est tout. Parce que la chenille accouche sur les feuilles, du coup, après, on peut plus manger des pommes. C'est mal dit, mais bon, admettons, allez. La période de reproduction. C'est même pas clair. Même en recopiant, c'est pas clair. Vient de la ronce qui pique. Oui, parce que si jamais ça vient de la ronce qui pique pas. Oh, Berfine, calme-toi. Vous m'aurez fait rire tous les deux. Non, il n'y a pas toujours besoin d'avoir un mâle ou une femelle. Ça s'appelle reproduction asexuée. Très bien. Voilà. L'intérêt, c'est qu'une femelle n'a pas envie. Mais une femelle n'a pas envie, c'est une ronce. Alors, je suis d'accord que le comportement, le consentement est très, 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 très important, est essentiel. Mais une ronce, quoi. 3, 4, 5, 6. Je crois qu'elle m'a fait la totale, elle. Elle m'a fait que les... Oh non, mais alors, si vous voulez pas une... Alors, si on veut une capture d'écran, quand même, parce que... Alors, elle m'a fait la totale. Les informations héréditaires se trouvent dans l'intestin de la femelle qui a des cellules. Ah, c'est bizarre, ça. Et alors, la dernière, celle-là aussi, elle est quand même... on parle de la reproduction de la rose, pour ceux qui ont vu l'exercice. Les intérêts sont que quand une femelle n'a pas envie que son enfant ressemble au père, parce que le père, il est moche, du coup, voilà. Pour une ronce. Ah, excellent. Berfine, arrête. C'est toi qui es lourde, là, maintenant. Allez. Fertile, adjectif qualifiant un être vivant de se reproduire. Il manque un mot. Être vivant capable de se reproduire, c'est pas ça. Roche sous terre, c'est pas ça. Et ben voilà, pour les définitions, c'est réglé. Qui c'est qui a fait des définitions pareilles? Ah. Et évidemment, encore une qui avait appris sa leçon. Ah ouais, les Oscars. Oh non, mais les informations héréditaires sont dans l'intestin, mais je sais même pas d'où elle a sorti ça. C'était pas dans mon cours. Hein. Deux points. Noyaux de cellules sont portés par les chromosomes. Ah, ouf. Voilà, c'est très incomplet. Là, c'est bon. Alors, 5, 9, 10, 11. 11 sur 20. Hors sujet. Ils savent pas lire un graphique, hein. Ils savent pas lire une question, il est écrit sur le graphique. Sur le graphique. La reproduction veut tuer les pommes pourrissent, ça va la reproduction. Voilà, et l'insecticide, on n'en parle pas. Hein. C'est une reproduction sexuée, à part qu'il faut expliquer. Non, ça s'appelle la reproduction asexuée, donc pareil là. Question 12, il faut. Expliquer aussi, hein. Et là il fallait donner les intérêts. Eh ben, encore un truc mis au hasard. Oh, on sait jamais des fois que ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ah, ce qui nous fait un 16 sur 40. Je crois que les 5e.
Tout à fait, Berfine. Oh, elle n'a pas caché son nom. Allez, courage, c'est ma dernière pour ce paquet. Après, j'ai un paquet de 6e, mais je le ferai un petit peu après, pas tout de suite. D'abord que tout le monde redescende en pression. J'arrive à avoir 4 spectateurs et des gens qui sont pas contents. Ah tiens, j'ai une idée. Je vais essayer ça. Bim. Est-ce que je pourrais vous... D'abord, je finis ça. Après, je vous montre mon site. Ensemble des roches, fertile, qualifiant, stérile, voilà. Donc lui, il a pris les définitions. Asexué, voilà, ça n'a pas fait, ça n'a pas fait. Et ça n'a pas fait. Donc ça fait 5 sur 20 en partie le sang. Ça, c'est hors sujet. Ça, c'est zéro. Car il mange des pommes, ça, c'est bon. Ils mettent un produit, l'insecticide, reposition asexuée. C'est faux. Oui, c'est faux. Ils ont besoin d'un croisement, c'est faux. Et ben voilà. 0,1 sur 20, ce qui nous fait une copie à 0,6 sur 40. Ça, ah, peut-être que j'ai répondu des trucs ici. Non et non. Voilà, je prenais pas beaucoup de risques. Je suis désolé. Ah, les 5e 2, c'était dégueulasse. Vous êtes fait pourrir par les 5e 1. C'est très bien, Berfine. Là, honnêtement, champion. Alors, voyons voir si je peux vous montrer. Non, pas là. Là. Oui, là. Allez. Voilà mon site internet. Oh, je suis un peu grand là, peut-être. Non. Hop, tous. Ouah ! Ah non, c'est lui qui est un peu petit, pardon. Voilà. Donc j'ai fait ça parce que j'ai créé une auto-entreprise qui s'appelle Apprendre à apprendre pour donner des cours. Pourquoi ? Parce qu'en fait le rectorat m'a demandé de créer cette auto-entreprise pour pouvoir suivre une collègue stagiaire. Oh, est-ce que ça vous dit ? Je vous montre comment on fait, comment on met une vidéo en ligne. Tiens. Est-ce que ça vous intéresse ? À la fin de ce live, je vous montre comment ça se passe quand on met une vidéo en ligne. Là, vous avez... Voilà. Donc, hop, apprendre à apprendre, un petit site. Hop, vous voyez, j'ai même fait une carte de visite avec les tarifs. Pensez-y, il y a le brevet et le bac en ce moment. Si vous voulez réviser. Surtout qu'au brevet, il me semble que cette année, il y a les SVT qui tombent. Donc, ah là là. Ah là là. Bon, allez. Donc, je vois que tout le monde est redescendu, c'est parfait. Je vous dis... Alors, bon, si ça intéresse au moins, alors je vous montre ça. D'abord, je vais ouvrir... Donc là, vous voyez ma chaîne YouTube. 1656 abonnés. J'ai pris 81 abonnés depuis la dernière fois. Oui, je regarde un peu sur le côté parce que mon écran est là-bas. Là, il y a la dernière diffusion. 56 vues. Ça, c'était pour les 5e mugs, hein, si vous êtes curieux. Ça, c'est mes dernières vidéos mises en ligne. Alors, pour voir mes derniers contenus, je vais ici. Alors ici, donc là, vous avez, par exemple, toutes mes diffusions en direct. Celle-là, elle est en cours. Oh, ça alors, quelle surprise. Et j'ai eu... 36 vues et 5 spectateurs en direct et 0 commentaire et 3 j'aime. Bon, ben voilà. Ah ouais, tiens, c'est une bonne idée. Alors, et donc, sinon, voilà. Donc, si je regarde dans le contenu, voilà les vidéos que j'ai mises en ligne. Bon, on peut aller jusqu'à la page 107. Jusqu'à la page 30. Combien j'ai de vidéos en tout? Il me dit quelque part combien j'ai de vidéos dans Analytics peut-être. Non, ça c'est le nombre de vues, les revenus. 1038 vues aujourd'hui. Tiens, là c'est quand j'ai révisé avec mes élèves de 6e.
Ça, c'est la vidéo qui a le plus de succès en ce moment. Comment expliquer un vaccin à ARN? Parce que j'en avais marre de l'expliquer à mes potes. Non, j'ai pas le nombre de chutes. Donc, toujours est-il que je vais dans contenu. J'ai déjà pris un fichier pour le mettre en ligne. Celui-là, par exemple. Il s'appelle Instant Geek, enregistrer un nom de domaine. Parce que comme j'ai fait un site, celui-là, je sais pas si vous voyez, mais là, regardez, c'est l'adresse, c'est le nom de domaine. C'est-à-dire que c'est pas, je suis pas chez WordPress, etc. J'ai payé un nom de domaine, le nom de domaine qui correspond au nom de mon entreprise. Oui, je suis là demain. Et vous voyez que, bon, j'ai pas mis de vignette. Je vais mettre celle-là, par exemple. Alors, je vais créer une vignette moi-même. Je l'ai mis dans Instant Geek. Et je l'ai mis sur nom répertorié. Donc, il suffit que j'aille ici. Et je fais comme public. 413 vidéos. Ouf. Comment ça faire peut-être, et je clique sur OK, et vous allez voir que normalement va apparaître. Oui, j'ai cours demain matin, je serai là. Si tu as des questions à poser sur le contrôle, n'hésite pas à venir les poser. Et bien évidemment, il faut enregistrer les modifications. Donc, une fois que ces modifications sont enregistrées, si je retourne ici sur mon tableau de bord. Il me montre ma dernière vidéo avec le nombre de vues, forcément, hein, 0, puisque je viens de la publier. Quelle heure il est? 17h30. Oh, c'est pas une mauvaise heure, 17h30 le mercredi pour publier une vidéo. Là, du coup, je vais aller probablement... Soit je vais faire un peu de pub sur Facebook pour la partager, pour dire, regardez, quelle est ma dernière vidéo. Alors, avant de faire ça, il faut que j'aille sur la vidéo quand même. Donc je vais là, je copie le lien. C'est une vidéo que j'ai faite avec mon nouveau téléphone. Hop. Voilà. Ouais, faut vraiment que je fasse une autre vignette, elle est pas terrible. Et je la publie. C'est gentil. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir. Alors, suivant les vidéos que je fais, soit je la publie sur mon compte public, soit je la mets sur des groupes. Par exemple, il y a des groupes de bricolage. Généralement, quand je fais une pub de bricolage, je la mets sur les groupes de bricolage. Quand j'ai une vidéo d'impression 3D, je la mets sur l'impression 3D. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est de la faire un peu circuler pour avoir un maximum de vues. Celle-là, si elle dépasse les 30, je serais content parce que c'est quand même un sujet un peu obscur. Réserver un nom de domaine, ça sert pas à tout le monde. Mais je t'ai dit, je suis pas sûr de qui c'est juste des hypothèses. Hypothèses, faut vivre avec. Bon, allez, c'est pas tout ça. Ah, j'avais dit que peut-être je rentrais les notes. Ah, ouais, mais alors pour rentrer les notes, il faut que je cache le nom de mes élèves. Oh, c'est galère à faire. Comme ça, on verra les notes des 5e 1 et des 5e 2. Hop. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est long de rentrer les notes aussi.
Voilà. Allez, rentrons un peu les notes et voyons voir ce que ça donne. Ah, et je vais vous montrer comment je vais compter, tiens. Alors. Ben, c'est pas les cinquièmes d'eau, là. Si. Ah, si. Alors, en fait, j'ai dit que pour chaque élève, je gardais que la meilleure note des trois. Pour leur moyenne. Donc j'ai mis tous les autres devoirs coefficients, sauf pour ceux qui trichent. J'ai mis tous les autres coefficients à 0. Non, c'est pas facile à rentrer ces notes-là. Voilà. Voilà, parce que j'ai dit que je mettais tout coef 0 et que je rentrais que la meilleure note. Et que je gardais que la meilleure note. Voilà, et sa meilleure note c'est 18, et bien je garde le 18. Non, mais après on va regarder la moyenne de cette classe et la moyenne de l'autre, puisque j'ai corrigé le même truc. Alors, hop. Oui, les sixièmes, ils ont eu que deux tests, mais je ferai pareil. Elle est bien pourrie sa note, et encore c'est sa meilleure note. Donc là j'y change là aussi. Oui, je sais. Ben, pour l'instant j'en ai pas encore. Alors choquerie. Tu le crois qu'elle a que 7,5 et encore c'est sa meilleure note. Ah voilà, bah tiens. C'est quoi la touche pour non rendu 0? Voilà. Alors par contre, lui, comme il n'a pas rendu son contrôle, enfin comme il a rendu une feuille qui n'est pas la feuille où j'ai mis le signe, on va faire différemment. On va faire 0 plus 13 plus 9 divisé par 3. Voilà, donc lui, on va pas lui compter 13, on va lui compter que 7, on va lui compter sa vraie moyenne. Hein ? Les tricheurs, je supporte pas ça. Ouh, 8 d'un coup. W, merci, j'ai vu. Ah non. Voilà. Oh, il corrige tout seul.
Oh, ça peut-être que ça va quelqu'un qui a amélioré sa note. Voilà, comme ça, des élèves qui ont bien réussi, ils peuvent encore mieux améliorer leurs résultats. Et des élèves qui n'ont pas bien réussi, ils peuvent se... Ben c'est lui, tiens. Et enfin... Est-ce que je peux... Ah non, quand même. Voilà. T'as vu comme je suis gentil. Dans le bassin d'Arcachon, on est bon. Bon, allez, j'espère que vous avez apprécié cette petite séance de correction. De voir comment on mettait une vidéo en ligne et de voir tout ça, comment on crée un site internet, etc. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt pour les 6e 4. Là, je vais me baigner, s'il fait trop chaud. Allez, au revoir et à bientôt. Oh, au fait, j'ai publié une vidéo, n'hésitez pas à la regarder, ça me fera une petite vue, vous lâchez un like, un partage, ça fait toujours